La vidéo aujourd'hui, on a présenté tout le monde et en caméra, en petite caméra, il paraît être petit comme Chaba dit, je peux être petit mais je suis grand. Parce que j'aime dire dit aller. Bon, de toute façon ça son caméra n'a pas fait publicité pour lui, mais nous juste aider peut-être journaliste haïtien avec un pile monde qui n'a filmé n'a jour et mouvement action. Donc je pense en Haïti ça nous concerne nous parce que assez souvent qu'on met des manifestations et puis journalistes ont besoin prendre bon gens footé du côté que image a pas trop tremblé parce que on a pile caméra souké nous pas même carré ça qu'a fait yo. Donc ça son GoPro Hero 8 comme nous avons remarqué ce côté là. Donc son il paraît petit mais son caméra qui est assez intéressant, il est fait pour action, c'est-à-dire pour filmer live action. C'est nous avons remarqué dans sticker qui dans droit il montre nous on monde qui sous bicyclette parce que les tout gon autocollant balle pour cap tacher sous un guidon ou bien un bail quelconque, peut-être sous dash machine ou bien sur une motocyclette son bagage. Donc nous va le tirer, nous va le faire un petit review rapide sur nous va le faire un petit garder comment elle fonctionner à tout le monde et puis comment nous ca utiliser. Nous va prendre base là, nous va rentrer trop profond parce que il y a pile option surtout dans faire vidéo. Mais ça qui est important là, pour ça qui concerne le monde qui a filmé action, mouvement, c'est stabilisation. Les stabilisations qui sont assez solides, c'est-à-dire même le courir, le foncer, les filmer très bien. Et puis, il y a un gros avantage qui est filmé 4K. L'image est très claire, très claire. Quand on va regarder, on va regarder dans le monde, dans la forêt, tout le monde est vraiment brillé, vraiment belle. Nous allons faire la différence, nous allons montrer. Non? Et nous allons filmer, avec là. Donc, nous allons démarrer. Ancien, tu as un problème dans l'antillo. Les lentilles qu'on casse parfois et qu'on achète pour une vingtaine de dollars. Et ça, l'antillo n'a pas sorti. Et puis, l'autre bagage encore que ça a gagné, que l'ancien n'a pas gagné. Ancien, tu es par exemple Hero 7. Yeah, GoPro Hero 7, ou tu es obligé d'acheter un autre petit case à part pour lui. Ou du moins, c'était un autre petit boîte à part pour le mettre dans l'eau. Le mettre en bas de l'eau. Et ça, même, les tout. Waterproof, j'en ai là, au câble à gueule dans l'eau, le filmer en bas de l'eau très bien. Et puis le filmer jusqu'à 30 pieds de profondeur, là on mettait en bas de l'eau. Et puis quoi de là, c'est ça qui vient avec le batterie. Ok? Mais moi-même, parce que je connais des fois me filmer en pile, ou du moins j'ai besoin de stocker 2-3 informations sur le câble avant de m'éditer, avant de faire quoi que ce soit. Moi, je sais acheter l'autre, c'est-à-dire m'acheter accessoire. Yo. Qui gagne pour selfies, bah, pour mettre dans la tête, ça pour mettre dans les sommets, pour tâcher la caméra là, pour courir. Nous allons garder rapidement un petit bosser sur yo. Mais surtout, ces caméras, nous allons montrer comment elles opèrent, comment elles fonctionnent. Pour charger, elles prennent, ou mettre soit sur le computer, connecter dans USB computer, ou bien mettre dans le docking qui prend 3 batteries, on insérer 3 et puis la charger. Si nous mettons l'autre ancien batterie, GoPro Hero 7, GoPro Hero 6, dans ça, il pas marché trop bien, tout fonctionne pas marché très bien, trop bien. OK. Nous va aller maintenant vérifier. Donc tout d'abord, on a pris ce sticker ça qui te gagne monde qui monter bicyclette, c'est un bagage qui fait pour live action. Live action dans ce sens si gagne sport, on a courir ou gagne bicyclette ou pendant rouler bicyclette, on besoin prendre toute action yo, ou sur motocyclette, on besoin prendre toute action, il fait pour ça. Les stabilisation qui assez intéressant démonter ça net, c'est à dire ça faut qu'on monte bien serré pour le câble qui est caméra stable et puis caméra les mêmes on met des options stabilisation là que nous voir le plus devant pour le câble bas haut et l'image est vraiment stable même leur fait action même leur courir. Donc ça fait m'estimer la bon pour journaliste nous qui va le filmer live action dans la rue là. Ça fonctionne, il y a pas power là ce côté là, on va remarquer il y a un bouton power là en bas numéro 8 là, et puis là il y a un bouton record là, là ça c'est bouton pour peser pour record là, et puis les sont touch screen, nous va finir retirer l'écran et puis on va mettre batterie avec memory card là dedans et puis nous va l'utiliser là. Alors bien entendu là on observe avec faut que nous lit information, je dis nous ça lit information, c'est deux types micro SD ça yo, ou qu'on prend jusqu'à 256 comme moi dis, mais même 128 là. Et puis ces deux types ça yo qui recommandé pour GoPro Hero 8 Black, OK? UHS 1 ou bien Class 10 na micro SD.
Donc, on va continuer et puis la batterie, on va montrer comment on insère. Alors, on va retirer le sticker ça pour commencer. Comme je dis, non, on va retirer le sticker là. Et puis, pour nous utiliser l'écran, parce que l'écran est touch lié. Ok, on a besoin de ça. Et puis nous allons mettre la batterie, ça il fait partie de la batterie, donc il faut nous Kimball, c'est ça, il fait partie de la batterie. Ok, et puis nous allons insérer, alors pour mettre la batterie, on descend là, ouais, faut un descendre. Voilà le rouge, il montre que ça a levé. Ok, et puis j'ai fait un nouveau modèle ça, même si ça a sorti net, si on a fait un forcing ou déplacer le net, il n'y a pas de problème. Ok, vous pouvez mettre encore facilement ou pousser. Et puis là, ok, pour le Kimbe, batterie avec SD card là. Donc, ça n'a fait pour SD card là, nous pouvons aller. Je vais mettre 128 moyens. Parce que, comme je dis, il y a 128 que j'ai acheté. Donc, on va utiliser 128 là, de préférence. Alors, là, on a inséré MicroSD. Il faut côté qui est écrit dans MicroSD, by face ou dos caméra. Ok, côté qui est écrit. Dans ma micro SD, il face sous deux caméras. Et puis, mettez là avant de mettre la batterie parce que là, il y a plus de problèmes si la batterie est là déjà pour nous insérer. Et puis, on descend jusqu'à ce que nous des clics là. Ok? Bien inséré, il va sortir là. Ok? Et puis, la batterie lui-même, on a mettre la batterie, côté qui est GoPro dans la batterie, on a fait un genre pour deux GoPro, venir sous devant. Ok? Deux GoPro viennent paraître ensemble, GoPro dans la batterie, GoPro dans la caméra, ils paraître ensemble et puis on va insérer. Ok, donc là, le bien stable, on va retirer. C'est ça, on fait pour réduire, pour retirer. Donc, et puis nous allons faire un paquet de travail, nous mettons, peser et puis nous pousser ça pour le stabiliser encore. Qu'il est bien stable, ok, tout bagage conforme. Et puis, le principe qui gagne, le on peut charger, il faut que ça ouvre. Parce que c'est là nous gagnons Type-C, USB-C. Hein, okay? C'est là faut ça ouvre. Donc, ça nous va le faire, nous allons le recharger. Et puis, le là pour charger, ça c'est le câble pour recharger là. Devant, nous allons le montrer. Et puis, le fin charger, lumière habite. Donc, c'est comme ça. Boom. On va le fouler, assurer que la batterie est full. Donc, ok. Ok, USB-C, nous allons mettre n'importe comment. Il va obliger bon sens. Bien serré, et puis on va recharger. Il est là. On va le montrer nous rapidement. Ok, hop. Ouais, lumière allumée. On a pu remarquer, lumière allumée. Et puis le fin full, lumière à béton. La caméra a fini chargée. Donc c'est comme ça qu'elle apparaît. Pas bien lumière allumée, ok. Ouais, pas bien lumière allumée, elle finit chargée. Et puis on a juste détaché USB-C. Hein. Et puis, nous pousser ça à fond, ok? Ça, j'ai jamais démontré. Nous pousser à fond. Et puis, nous glisser ça à monter. Donc, batterie nous en sécurité, SD card nous en sécurité. Donc, nous allons lui-même, et puis nous connecter la téléphone, non? Parce que les grandes applications que nous avons sur Play Store ou bien App Store, n'importe ça, là. Et puis, l'application ça, elle permet ou éditer vidéo, yo. La connecter, la permet ou update firmware, là. Et pour voir tout update sur la caméra, c'est-à-dire si il y a quelques modifications pour porter. Parce que généralement, les gens sortent les appareils, ils ne sont pas sortis parfait. Ils ont quelques anomalies, suivant ça, on a plein d'indices dans la review, et puis ça revient même, ils ont détecté eux-mêmes. Et puis ils ont corrigé. Donc c'est dans l'update, ils ont corrigé. Dans le téléphone, tout le monde. Comme ça, donc nous allons aller Go, Pro, Hop. Ok, on va installer le menu, mais après,
Ça quand là, on touche bleu pour nous installer. On vient à quitter l'installer et puis on attend et on met la caméra qu'on y a. Côté numéro A, pesez bouton A. Donc, ok, l'humain. Donc, c'est ça la banne, on l'allume. Mm. Et puis ça va m'installer en tout temps. On a quitté une vidéo à installer, ok? Donc, l'allume, ça c'est lui dit pour choisir l'angle, les touchscreen, comme on dit non. Et puis, nous avons viré, choisi le langage que nous voulons, mais moi, je vais mettre sur English. Ok? Et puis, légal, bon, ça va obligé d'accepter, il faut dire aiguille. Vous êtes d'accord avec elle. Ok, on a touché elle. Et puis on met GPS on. OK? Dans l'écran ça, c'est là on va le connecter là avec téléphone nous. Le et pour le câble phone qui était Bluetooth non, on a téléphone là, OK, très important. Les mêmes les tout près là l'aptan pour le connecter avec appareil. OK, là nous avant qu'il fini. Là, on a touché open. Et puis on va lancer le OK au zéro aiguille. Aiguille. Alors, dans l'app, ça a une possibilité pour nous éditer vidéo, comme on te dit, non? Et puis pour nous download vidéo directement sur ça. Ok, nous allons transférer directement. Connect GoPro, ok? On est là, on connecte GoPro. Et puis GoPro a déjà atteint, il va jouer en Italie, ok? Il va jouer en location, app permission enable. Donc, si vous avez une difficulté pour parler avec le téléphone, vous pouvez aller et là, scroll down, écran, et vous voyez la préférence. Et vous pouvez choisir connection, connections, et vous pouvez dire connect device, connect device. Ok, vous pouvez choisir pour parler avec le téléphone, capitaine. Connect device. Et puis GoPro app. Ok, il dit we found your GoPro. Ok, connect. Et vous cliquez sur connect et vous avez la possibilité pour filmer, pour update firmware. Yo. Ok, il est connecté. Et vous avez la possibilité pour update firmware là. Et puis, vous faites un update là et vous transférez dans GoPro. Now we're gonna change name, save. Oops. Now we're gonna change name. Change camera name. My GoPro. Save new name. Leave as GP whatever whatever. Update camera. Okay, we have an option ça. We will appoint it for update. Donc on finit quitter l'update. Vision resolve USB 3.1 connectivity issue update. And fin update li, et puis on a transféré tout sous GoPro. Ok. Installing updates. Don't leave the app. Your GoPro will turn off and on a few times. Ok. Li dit ça, et puis qu'on y a update. Got it. Install update. On your phone's Wi-Fi. Your GoPro will power on and off a few times. When the update is completed, your camera will become to normal. Okay, got it. No problem. Control your GoPro. View media. Setup. Auto. Okay, GoPro app download. That will turn on a few times. It's up for actually. Don't have an update firmware là. Et puis non, mais transférer update sur caméra. Et puis nous filmer avec elle, nous allons laisser filmer. Alors nous avons un screen saver pour ne pas décharger la batterie à trop. Comme ça, on peut toujours faire l'allumer. Le bouton record là, il record normalement. Il record là actuellement. Mais avant tout, on peut peser record là encore. C'est le bouton record là sous tête lien. On peser pour enregistrer. Voilà la record, la lumière flashée dans le. Et puis c'est le même tout peser pour poser. Ok? Et puis l'on besoin d'éteindre ou juste qu'un bouton par ou qui puis 8 là ou qu'un bel bon nombre de temps.
Il y a plusieurs possibilités. Alors, pour montrer, non, pour aller tout bas, yo, au cap swipe comme ça, on va aller en photo, si vous voulez faire photo. Swipe comme ça, on va aller en vidéo, swipe comme ça, on va aller en time-lapse. Time-lapse, c'est là où vous besoin de faire quelque part de film, vous besoin de faire un slow motion, genre de bas, si vous mettez sur option et vous recordez. Et puis là, vous pouvez faire time-lapse encore. La film est normal. Ça, nous allons aller dans le livre, là, pour comprendre tout le détail. De toute façon, je fais une vidéo plus approfondie pour détailler avec accessoires. Donc, là, nous sommes sur time-lapse. Il y a l'autre option qui a changé, si nous pesons le bouton power à tout. Ok, autant de fois on change la switch sur bah, là, nous sommes sur vidéo, et puis peser encore sur photo, peser les tourner sur time-lapse. Ok, peser les sur vidéo. Donc, les vidéos concernées, non? Mais ça, c'est standard. Ok, le bah, standard 1080p. Alors, si nous besoin changer le setting standard, là, nous quittons d'être sur lui, et puis la bonne possibilité pour changer le widescreen, lens, tout genre de base. Ok, mais nous pas besoin changer, nous juste fait back. Et puis nous pouvons aller dans option, ça est pour stabilisation. Nous touchons plusieurs modes de stabilisation. Ok? Donc nous n'avons pas besoin d'utiliser là, nous juste quitter le fermé. Donc, le bouton ça va nous marquer sur le bord droit là. Ça c'est bah, de base qui rapidement. C'est pour zoom, si vous touchez, et puis la bonne possibilité pour zoom in. Ok, vous augmentez zoom là, j'en ouvre. Zoom out, nous n'avons pas besoin. Oui, ça est pour stabilisation comme tu dis, non, ça est pour et résolution, qualité résolution. Ça les mêmes, c'est pour slow motion, si vous besoin filmer en slow. Et puis le bon plusieurs x vous besoin changer setting là. OK, tu dois être sous lit et puis au point niveau besoin là. Si vous besoin changer et résolution là, c'est-à-dire qualité j'en filmer là. On va mettre sur 4K pour une image 4K par exemple, nous toucher ça. Et puis le bon possibilité pour slow, cinématique 4K. C'est-à-dire, on peut changer et toutes les résolutions j'ai pour filmer. Hein. Nous allons lancer par exemple. Ok, quand on a un bel filmé, nous voyons la qualité image différente. Donc actuellement, on a pu filmer en 4K, nous avons manqué l'image complètement différente. Ok, donc c'est comme ça. 4K. GoPro Hero 8 Black. Son petit caméra qui paraît très 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 petit mais très efficace et puis n'importe où je vais montrer la différence entre caméra ça va filmer là avec les mêmes côté je vais courir avec m'a fait jogging en même temps et puis n'a pas différence ça a une stabilisation qui vraiment avancé et puis 4K son petit caméra il paraît petit et puis très 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 efficace à bonne image semi professionnelle en tout cas et à la prochaine merci à tout le monde continuez à inviter mon subscribe continuez à partager le link pas dans l'autre vidéo. Merci.